Coucou mes petits loulous. Alors aujourd'hui on se retrouve un peu comme toutes pour l'ouverture de nos calendriers de l'Avent. Alors pour mon anniversaire qui était vendredi en fait, ma sœur et ma mère m'ont offert les deux calendriers que j'ai accrochés, de Saga Postscrap et de 4 ans Scrap. Voilà. Et donc une amie, on devait se faire un échange sur le groupe Scrap avec moi, mais malheureusement elle n'a pas eu le temps. Bon voilà, ça peut arriver, hein, on a aussi des vies à côté. Donc elle m'a offert ce très beau calendrier qui, je pense, est un calendrier de l'Avent avec des bougies. Donc j'aime beaucoup aussi les bougies, donc ça me convient très bien. Voilà, donc on va prendre le numéro 1 que je crois que j'avais mis tout en haut. Voilà. Hop, voilà, numéro 1. Et on va ouvrir cela. Alors, je vais mettre sur le bureau. Et on va ouvrir déjà celui-là, comme ça, là, comme je suis devant. Alors, numéro 1, il est là. Alors, comment ça s'ouvre? On va le poser, ça va être plus facile. Ah, il y a des petites languettes. Voilà. Une petite bougie chauffe-plat dorée. Mais c'est cool aussi. Non, elle sent pas celle-là. Mais ça sent des odeurs, donc je pense qu'il y a des bougies parfumées, bougies et décorations, vous voyez. Donc j'aime beaucoup parce que c'est vrai que les bougies, c'est hyper sympa aussi. Donc voilà, je l'allumerai chaque soir sur ma petite salle de scrap et je penserai à Françoise. Voilà, donc ça, c'est le calendrier des bougies et on va aller. Alors je me pose, je vous reprends. Et donc là, on va ouvrir. Donc celui-ci, c'est 4 ans scrap. Et celui-ci, c'est de Saga Postscrap. Alors, celui-là de Saga Postscrap, c'est celui qui est exclusivement avec des dies. Bon, voilà, comme c'était pour mon anniversaire, j'ai demandé. Ça tombait bien, c'était l'occasion de demander un cadeau qui me faisait plaisir. Alors, je ne voudrais pas abîmer les pochettes. Et j'ai pas de petite. Pour enlever les agrafes. Vous savez que ça fait plus d'un mois et demi que je les ai et que j'ai pas déballé du tout. Je les ai déballés vendredi pour voir à quoi ça ressemblait. Alors, oh, c'est mignon. C'est un petit die trombone avec les serres. Oh, c'est trop mignon. Ah, ça, c'est sympa du coup pour pouvoir accrocher dans les junk et tout. C'est hyper sympa. Ah, cool. Et du coup, ils disent que c'est des dies exclusives pour le calendrier et on ne pourra pas les retrouver en vente. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai un peu craqué pour cette marque. Donc, ça, et on va ouvrir du coup. J'ai l'impression que c'est un die aussi. Chez 4 en scrap. Oui, c'est un die. C'est une petite feuille. Enfin, une grande feuille quand même. Parfait, parce que j'ai pas beaucoup de choses sur les feuilles, donc voilà. Ah, tous les jours un petit cadeau, ça va être génial. Donc voilà, les deux petits dies d'aujourd'hui. Voilà, écoutez, on se retrouve demain donc, pour le numéro 2. Allez, bonne soirée mes petits loulous, bisous.